Le soir tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes. 19h21 sur TSO Radio. Bienvenue sur TSO Radio. Bienvenue. Vous êtes sur TSO Radio, c'est le start-up. Ah, qu'est-ce qu'il fait? C'est Yves Chatin qui a eu son masque comme ça, avec le nez dans le. Et alors, le pire, c'est que il l'avait mis et je l'ai regardé et comme c'était l'invité, j'osais même pas lui dire. Vous l'avez pas bien mis le. Ah, mais moi, il fallait parce que j'avais le nez qui commençait à sortir par le truc du manteau. Je me suis dit, parce qu'à un moment donné, il va sortir. Ça, plus les élastiques où je les voyais sur le côté, j'ai. Et tu sais, mon côté très. Ouais. Gémeaux. Voilà. Ouais, mais notre fait la même chose au début. Hein. Bon, mais oui, c'est vrai qu'on a, nous aussi, on allait se. Quand même sur cette quinzaine, j'ai quand même préparé les masques de tous nos invités parce que je suis à côté. On pourrait même dire, Hélène, que tu l'as mise à tous nos invités. Je l'ai mise à tous nos invités. Ah, bravo. Hein, ouais. Voilà. Donc la plus coopérative, ça a été Axel qui m'a dit, je lui ai dit, mais je peux toucher ton masque parce que dans les temps qui courent, voilà. Temps qui courent, elle m'a dit, oui, je le nettoierai après. Oh d'accord. Ah, j'aime beaucoup. Mais pour le Covid. Oui, je le nettoierai après, ok. Voilà. On va jouer à cette petite séquence qu'on a découvert en début de semaine dernière, qui était la franglaise avec son préparateur préféré et surtout son fils. Interprète. Et son fister, parce qu'il nous la met bien profond quand parce il nous l'a fait. Il l'interprète tellement bien. Donc, le principe de la franglaise, c'est de nous parler, voire chantonner quand tu vois que ça devient compliqué pour nous. Mais en tout cas, parler une chanson à la base anglaise en version traduite. Et bien donc, t'as intérêt à être bon parce que c'est la seule que t'as dans mon magasin. Et là, j'étais vicieux parce que la chanson de base est française. Elle a été faite en anglais mais avec d'autres paroles, donc j'ai traduit les paroles anglaises de cette chanson en français. J'ai rien compris là. Tu comprendras quand. Donc en fait, quand tu auras trouvé le mot. Ouais, okay. En fait, tu as traduit une musique anglaise en français et après tu l'as retraduit en anglais, non, c'est ça? Laisse tomber, t'as pas compris. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire que sur ces belles paroles, nous allons t'écouter. Et maintenant, la fin est proche. Que vais-je faire? Alors je fais face au rideau final. Mon ami, je le dirai clairement. Je vais exposer mon cas duquel je suis certain. Rihanna? Non. Dua Lipa? La mer noire? Ava Max? La mer noire? La mer noire? J'ai vécu une vie bien pleine. Oh ouais, moi aussi. J'ai écouté la pleine. J'ai roulé sur chaque autoroute et plus, bien plus que ça, je l'ai fait à ma façon. Ça, c'est une personne qui chante seule. Oh la vache! Ouh là là! Comment tu fais pour arriver là? Des regrets. Ouais, c'est des jeux à chaque fois donc. Des regrets, j'en ai eu quelques-uns. Oh, vache. Mais là encore, trop peu pour les mentionner. J'ai fait ce que je devais faire et les mener à bien sans exception. Justin Bieber. T'as déjà fait le refrain là? Oh putain! En fait, je sais pas où il est refrain. En vrai. Justin Bieber quand même. C'est j'ai organisé chaque parcours, chaque pas prudent le long du chemin de traverse, mais plus, bien plus que ça, je l'ai fait à ma façon. T'as vu, moi? Ou à travers. Ah mince. Il n'y a pas du vent. Donc tu sais? Oh non, j'ai pas vu. Bon bah tu dis pas. Bah non. Je suis bonne joueuse. Ah t'as fini maintenant? Non, je peux continuer encore, mais... En ayant vu la réponse, t'aurais trouvé ou pas? Non. Ok, d'ailleurs. Ah mais il l'a dit, elle est vicieuse. Taylor Swift. Elle est vicieuse, je vais... Attends, faut vraiment qu'on se mette dedans. Angela Merkel. C'est qui? Mais à travers tout ça, quand j'ai eu des doutes, je les ai... je les ai avalés, puis on a craché. Clara Morgan. Non, mais là, t'as trouvé des paroles en français qui sont déjà compliquées à traduire. J'y ai fait face et je suis resté grand et l'ai fait à ma façon. Et si t'essayes de la chanter grand, déjà, peu, c'est un mec. Alors, attention, je vais... Déjà, c'est un mec. À ma façon, là, je l'aurais trouvé. Attends. Ouais, à la façon. Non. Ouais, non. À ma façon. Drake. Et maintenant, la fin est proche. Alors je fais face au rideau final, mon ami. My way. Putain, c'est qui a fait ça? Calvin Harris. Calvin Harris. Vite. Franck Michael. Zara Picasso, Picasso, oh. Zara, Frank Sinatra. Ouais, voilà. Attends, comment tu l'as trouvé? Zara Picasso. Moyen mémotechnique. Le gars de Zara Picasso, il a Franck Michael. Allez, c'est bon. Zara Picasso, Frank Sinatra. En fait, le gars s'est fait un pyramide tout seul. Quoi. Et, du coup, on va faire une.
Zara Picasso. Attends. Moyen mémo technique, j'ai pas trouvé. Zara Mercedes, Picasso, Citroën. Alpha Romeo, Romeo, Mito, Mito. Sinatra. Et d'ailleurs, avec du coup le truc, essaye un petit peu avec les paroles en français. Quand tu vois des. Attends. Tu te lèves. Non. La fin est proche. Alors je fais face au rideau final. Mon ami, je le dirai clairement. Je vais exposer mon cas, duquel je suis certain. Certain. J'ai vécu une vie bien pleine. Pleine. J'ai couru sur chaque auto. Merci Axel. Et plus bien, plus que ça. Ah ouais, mais ça avec une. Attends. Oh bah super. J'ai fait à ma façon. Bon, je peux faire. Ça aussi, elle va pas bien aussi. Ma. Ça, ma façon. Ouais. Je suis en mode coco là, pardon. Ah, des regrets. Des regrets. J'en ai eu quelques-uns. Quelques-uns. Mais là encore. Là, tu fais ta voix suave. On peut pour les mentionner. Suave. Suave. Et sans ce que je devais faire. C'est la deuxième version. Attends, je ne te réveille pas. Comme. Attends, l'équipe je vais arriver sur. Non, mais lui, il n'a pas la même en fait. Il n'est pas comme d'habitude. Bah non, parce qu'en fait, c'est une réadaptation d'une adaptation d'une réadaptation. Astra, Zeneca, Frank Sinatra. C'est pour ça qu'il c'était vicieux, parce que de base, c'est comme d'habitude de Claude François, qui a été reprise par Frank Sinatra avec des paroles différentes. Sinatra. Ah, mais c'est ça, l'Astra. Mais voilà. On fait l'Astra. Mais voilà. Zara, Picasso, Opel Astra. Donc c'est par Franck Opel Astra qui était. qui était aussi Sinatra de My Way. C'était pas la traduction de. Et Matt Pokora, elle est où dans tout ça? C'était la trad de la l'adaptation de My Way de Frank Sinatra. Merci Vinsou. Vinsou, c'est chaud ce soir. Oh, chaud de night. Chaud ce soir, c'est chaud. Tu vas prendre chaud. Oulala. Oulala. Je coupe ton petit cul là-dedans. Ah, c'est ça que tu faisais dans les autos, toi. Ah oui, mais c'est non, mais il y a un manège comme ça. Faut quand même qu'on explique avec Axel que on a, ça fait deux ans qu'on fait pas un événement très important. Qui est cher à nos cœurs. C'est la fête du village de Vadencourt. Qui nous manque. La fameuse. Voilà, qui nous manque. Parce que c'est quand même un petit village, mais qui a une très belle fête de village. Déjà, elle en a deux. Déjà, c'est un petit village avec deux fêtes, ouais, mais voilà, il y a de voilà, c'est deux salles, deux ambiances du coup. Et je pense que moi et Axel, on s'est rencontrés dans les autos, mais qu'on ne se souvient pas où à la buvette. Il y avait plus de chance même à la buvette que dans les autos. Avec les traces noires que je te mettais sur la tronche, on finissait fatalement après. Oui, je t'ai même dit quoi cette semaine que ça devait sûrement être toi le petit con qui me les faisait. Oui. Mais toi, tu devais être la connasse qui disait tous sur la 18. Il faut défoncer le cadre de la 18. Ne tamponnez pas de face, s'il vous plaît. Tamponnez pas de face, s'il vous plaît. On a dû se croiser au concours d'écu en un seul. Pas de marche arrière, s'il vous plaît. Je vous pense qu'on a tous dû se croiser quelque part à un moment dans nos vies. Pas de marche arrière, s'il vous plaît. Parce que moi, je fallait que je passe le fanfare. Non, mais tu fais pas la petite musique. Attention au départ. Et quand je n'écoutais pas ce qu'il disait, il en avait marre. Donc à un moment donné. Voilà, le jeton, il repartait. Ce qui est quand même magique, c'est qu'ils ont tout compris à la fête à Vadencourt. C'est qu'ils ont mis le manège enfant à côté de la buvette. Donc tu peux laisser ton gosse pendant 20 tours. Plus, comme je t'ai dit, les tours gratuits. Les 4 tours de pompon. Et c'est le pompon. Et Axel, il a eu le pompon. Et donc, t'as les parents qui sont en train de boire une bière. Et donc, t'as les parents qui arrivent, qui sont tranquilles. Le premier tour. Un petit selfie du gamin, allez, fais un petit sourire, t'es sur le manège. Oh, qu'est-ce que t'es beau, le gamin, il fait le tour après pendant 24 tours, comme ça. Et toi, t'es la buvette. Puis tu es comme ça, enfin. Et là, c'est bon, il fait ça. Ça le pousse à dire. Et alors, ce qui est bien en plus, quand même, à la fête, encore, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui venaient. Et la petite dame, elle te faisait un signe quand il n'y avait plus de. Ah, la petite vieille, ouais. Quand il n'y avait plus de ticket, puis elle faisait. C'est son dernier tour. Ah, j'arrive. T'inquiète, j'arrive. Ferme les 20 tours, vas-y. Tour, j'en veux pour 30 euros te claquer un tas de trucs en plastique rose, là. J'espère que toujours parmi nous, cette petite dame-là, la petite blonde frisée, mais. Je pense pas. T'es à son âme. Parce qu'il y a une année, je crois que je l'ai pas vue. Elle était hyper gentille, et moi, j'ai la photo de mon fils sur la même place de manège avec la même dame.
Donc 30 ans plus tard. J'allais te le dire. Je pense que je peux avoir cette photo là quand j'étais petit. Ouais. Si elle est encore de ce monde des caliers, j'y amènerai ma fille. Et Moi je l'ai avec Axel. Ça, j'ai ma photo moi quand j'étais petite sur le même manège. Et j'ai la photo d'Axel. Parce que elle était ce bonne femme là. Franchement, du début à la fin, elle y était. Et puis tu es acheté pour 10 balles, t'en avais vraiment pour 30 balles. Elle te donnait 30 balles. Oh, C'était la petite 5 minutes nostalgique hein, pour ceux qui connaissent la fête de Valencourt. Petite pensée au Valencourtois. Voilà. Et la commune, c'est des fêtes et la commune. C'est à côté de l'église, c'est Comment on dit les habitants de Longchamp. Ouais, c'est les Longchampinois. Les Longchampignons. Je ne sais plus. Les Longchois. Les Longchanois, Je vais regarder un peu. Je sais pas. Ouais, tiens, le Longchamp. Tiens, ça peut être intéressant. J'aimerais bien que tu nous apportes la réponse dans la prochaine séquence qui va arriver sur TSO Radio avec le devine ce que je dis. On va faire ça avec des chamallows. La dernière fois, on a fait ça avec des céréales. Et là, on va faire ça avec des chamallows. Des chamallows, on ne met ça que dans des bouches de filles. Hein. Elle est recrue, elle prend une charge, je te le dis. Hein, tout de suite. On met un 17. Ah bah, on va voir. Voilà, on va faire ça. A tout de suite sur TSO Radio. A tout de suite. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.